parce qu'il ne s'agit pas du gouvernement de la France. Il s'agit d'une équipe de campagne électorale pour essayer de donner à Emmanuel Macron une majorité à l'Assemblée nationale. Ce n'est que ça. C'est comme ça qu'on peut comprendre qu'il y a tout et n'importe quoi dans ce gouvernement. Et puis s'agissant de Mme Girardin, après avoir eu un ministre de la Guadeloupe, un autre des Antilles et le dernier de la Réunion, il fallait bien choisir quelqu'un effectivement de Saint-Pierre et Miquelon pour faire plaisir à tout le monde. Donc tout ça n'est pas sérieux. Vous doutez bien que derrière ça, il n'y a aucune ambition politique. La seule chose, c'est d'essayer de trouver la meilleure équipe pour gagner les élections législatives.